Hey, donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment avoir quelques légendaires sur Yo-Kai Watch 3, quelques Yo-Kai rares, donc qui sont tout à la fin du médaillum. Il s'agit donc de. Voilà. Donc de Le Dernier Namora, Comastar, Platinos, Papitaliste. Et il y en a d'autres, là voilà. Baratina, Institours, Aristocornio et Mégalopole. Donc, pour ça, pour tous, vous devez déjà au moins avoir l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère qui est disponible au niveau de Dogville. Donc, normalement, vous arrivez à Dogville par la vallée du Rodéo. Quand vous arrivez à Deauville, vous devez avancer un peu dans l'aventure. Et au bout d'un moment, dans la vallée du Rodéo, vous débloquerez une quête. Qui est donc celle-ci, Pandilico. Donc de mal au cœur. Et donc une fois que vous l'aurez fini, donc vous devez trouver quelques petits morceaux de pièces répartis un peu sur les trois grandes zones de la vallée du Rodéo. Une fois que c'est fini, vous pourrez utiliser l'hélicoptère. Donc, je vais vous montrer où se trouvent tous les yokai. Donc, ils se trouvent tous sur des toits. Donc, on a Platinos et Baratina qui se trouvent à Cajun. Alors, attendez que je les trouve. Donc, ça c'est pas bon, je crois. Ça, je crois que c'est un autre. Ouais, ça doit être un autre. Donc, si vous regardez sur l'écran tactile, vous pouvez voir là une espèce de petit hélicoptère. Donc, ça montre en fait, c'est les endroits où il y a les héliports. Donc, au niveau des héliports, c'est là où vous pouvez emprunter l'hélicoptère pour trouver les différents yokai. Donc, j'essaierai de vous mettre des QR codes éventuellement. Donc, il y a un QR code pour chaque passe. Pour tous les légendaires du SA, donc c'est tout ce que je vous ai dit. On va essayer de voir aujourd'hui pour comment les récupérer. Alors juste viens de voir, il y a un lieu criminel, donc j'allais chercher avant. Ah oui, donc j'en vois un d'ici là, un yokai légendaire. Bon, les lieux criminels, ils sont pas très durs à attraper, hein, vraiment. Oh la mince, ils sont près de l'école, les deux. Donc il y en a un sur le toit de l'hôpital et l'autre, je sais plus. Donc le premier, le voilà. Je crois que c'est Platinos ici, sur le toit d'un magasin. Voilà Platinos. Platinos, c'est lui. Donc il est sur le toit d'un magasin, juste à côté de l'école élémentaire. Et Baratina, je crois qu'elle doit pas être très loin. Ouais, voilà, elle est juste au-dessus, sur le toit d'un hôpital. Alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, ça doit être celui-là. Donc là voilà, Baratina. Donc ça c'est les deux, c'est à Cajoun. Alors attendez, parce qu'il y a un yokai qui m'intrigue que j'avais pas vu avant. Ah bah oui, c'est le. Oui. Le criminel du coup, parce que c'est. Voilà, il s'enfuit. Alors, Yo-Kai Wanted, dans ce jeu ça s'appelle. Il est coincé donc ça va être facile. Si le jeu se met contre moi aussi, normalement. Ah bah en plus, le pire c'est qu'il est passé juste devant l'inspecteur de police. Ça me rappelle la fois, genre j'étais avec l'inspecteur de police en train de lui parler parce que je devais avoir attrapé un criminel. Donc je sais pas si vous savez, mais de temps en temps il arrive de rencontrer le marmonneur en série. Et donc en gros, il est en train de lui parler, il est en train de me dire que le marmonneur était assez. En série est arrivé dans la ville. Donc j'ai juste sur la map du dessus, donc je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et donc en gros, il se trouve que Marmonneur en série est passé juste au travers de nous. Comme ça, tranquille, en train de courir, de s'enfuir comme le petit là. Il est passé comme ça, au travers de nous. Mince, c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a les deux premiers. Alors je crois qu'à Bethel, il n'en a pas. Ah si, il y a un Papitaliste.
qui se trouve près du Mingukai, donc tout en haut, tout au nord-est de la map. Qui se trouve sur le toit des... Comment ça s'appelle? Des chapiteaux du cirque. Donc il est juste là-bas. Ici. Voilà. Capitaliste. Donc je les ai tous récupérés. Hein. Alors après, donc, vous avez Aristocornio au niveau de donc, Cacahuète. Qui se trouve près d'une piscine tout à l'est. Donc toujours pour tous, en fait, il va falloir l'hélicoptère. Hein. Dès que vous l'avez récupéré, c'est bon. Alors après, il faut vérifier. Non, mais okay, assez haut level quand même. Donc en général, avec le pistolet, ça passe. Mais le pistolet, des fois, il met à mi. Alors, bon, donc voilà, Aristocornio. Donc avec le pistolet, ça peut fonctionner. Mais malheureusement, si vous... Enfin, j'essaierai de vous mettre donc des QR codes pour avoir les pommes. Donc après, donc il y a un site ours au niveau de la ferme pour avoir les fruits défendus. Donc les QR codes, j'essaierai de vous en mettre. Donc il y a combien de légendaires? Je crois qu'il y en a 8. Donc j'essaierai de vous mettre 8 QR codes pour avoir 8 fruits défendus, un pour chaque. Alors par contre, faites gaffe quand même d'avoir des yokai assez haut level, hein, parce qu'ils sont quand même assez durs. Surtout ceux qui se soignent. Donc un site ours, il est là. Ensuite, vous avez. Alors, je crois qu'il n'y en a plus dans les USA. Ah, si, donc à Duckville, tout à l'entrée, tout à gauche, à l'ouest, donc juste à gauche de l'entrée, vous avez le dernier Nyanmura, Rai, qui se trouve donc juste ici, à gauche de l'entrée. Donc, encore une fois, il faut l'héliport. Et ensuite vous avez, alors pas très loin, donc vous avez le comment il s'appelle? Kirakoma ou Coma Star, je sais plus comment il s'appelle dans ce jeu, qui se trouve. Alors faut avoir fini le jeu, je crois, pour pouvoir y accéder. S'il faut avoir fini le jeu, fait le chapitre 10, je crois, de avoir battu Dawn Spiration, je crois il s'appelle. Et donc, une fois que vous l'avez battu, vous avez accès à une zone qui est tout en haut à gauche à laquelle vous n'aviez pas accès avant. Donc, c'est le seul pour lequel il faut avoir fini le jeu. Après, Mégalopole, il est dans le. Bref, voilà, ça me plaît. Donc, il est juste ici. Donc, là, Coma Star. Donc, vous devez atterrir. Voilà. Donc, après, il suffit de vous parler comme tous les autres. Alors, vous avez. Quand vous le battez. La partie se regarde automatiquement, donc même si vous quittez, vous devez. Enfin... Alors, bref, c'est un peu compliqué leur histoire. Donc ensuite, vous avez. Alors, je me rappelle, donc il y a Mégalopole qui se situe au New Yorkai. Donc New Yorkai, c'est une des toutes dernières zones du jeu que vous débloquez. En fait, plutôt vers la fin du jeu, plutôt bien d'avancer. Donc je vais aller prendre le Télimir qui se trouve pas très loin d'ici. Alors je vais faire ces vidéos-là où je donne pas mal de yokai, putain, d'endroits de yokai. Parce qu'en fait je trouve que sur internet il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Il y a plein de yokai et on n'a pas les renseignements. Donc je vais essayer de vous en donner un maximum que je connais. Après donc dans celui-là vous avez. Donc ça c'est une tour qui arrive tout à la fin du jeu. Donc vous avez différents étages. Donc je vais vous montrer un peu les boss. Donc au début c'est des yokai normal. Normaux. Et au bout d'un moment, ça passe à des boss et vous pouvez plus se garder. Alors donc il y a lui. Je sais plus trop qui il y a. Il y a. Je crois qu'il n'y en a pas deux. Je crois que. Oui, il y a lui aussi. Maximin. Donc lui, c'est Orchéophyte. Magnustrel. Didgéophyte. Et je crois que c'est tout. Il y a lui aussi, Voltéophyte. Et c'est tout. Et après, le tout dernier, c'est le boss Carmagister, mais que je n'ai pas réussi à battre parce que j'avais pas un niveau très haut. Donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo.
Donc là, je vais vous montrer où se trouve Mégalopole, donc il se trouve au New Yorkaï. Après, je regarderai parce que je sais plus trop ce qui me manque. Donc le New Yorkaï au niveau des restaurants sur le restaurant du Tempura. Donc juste ici. Là, voilà, Mégalopole, c'est lui. Donc après, alors je crois qu'il en m'a manqué un ou deux. Je vais aller regarder vite fait. Alors donc cela c'est bon, donc Dernier Namora, Coma Star, Platino c'est Capitalist, je vous ai montré. Baratina c'est bon, Azitour c'est bon, Aristocornio c'est bon, et Mégalopole c'est bon. Donc voilà, donc ça c'était pour les yokai américaines légendaires, je crois qu'ils s'appellent. Je vais juste aller vérifier. Voilà. Donc l'Américain légendaire, voilà, c'est ça. Donc sur ce, je vous dis à toutes et à toutes et salut. Ou pas. Parce qu'en fait, ah oui, donc j'ai oublié de vous dire. C'était un prank. Au niveau du continent Permu, il y a un endroit. Alors je sais plus quel ticket il faut. Donc vous pouvez récupérer tous les Américains légendaires. Donc soit vous devez avoir les passes, soit vous les faites ici. Donc c'est dans les donjons interdits. Alors je sais plus quel c'est. Voilà, c'est celui-là. Labyrinthe de la bravoure. Donc il vous faut une pierre de sang, je crois. Je vais la regarder après, juste après. Donc vous pouvez avoir toutes les. Donc au niveau des mimulettes, vous pouvez avoir tous les américains légendaires. Et je crois que vous pouvez en avoir d'autres objets, mais je sais pas trop lesquels c'est. Alors après, moi ce que j'aime bien le dernier Namora. J'aime bien aussi Capitalist, il est pas mal. Donc c'est ceux qui m'ont dans mon équipe. Platinos aussi, j'aime bien, il est pas mal. Les autres Coma Star, je l'aime bien dans un autre jeu, mais j'aime bien, mais celui-là dans ce jeu, il est pas top. En plus, il est type électrique, c'est pas trop un que j'aime bien. Voilà, une pierre de sang, donc c'est celle-là qu'il vous faut. Donc voilà. Donc je vous dis à toutes et salut.